Je suis très content de ce projet porté par notre frère Richard qui a réalisé ce film. Il vient un peu du genre documentaire et ça parle réellement de ce qui se passe dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Ce n'est pas toujours facile de réaliser ce genre de film. Et donc c'est un grand projet parce qu'il faut se rendre sur terrain et parfois dans des conditions très difficiles et à ses risques et périls. Mais il a pris ces risques-là pour ce film. Le cinéma dans notre pays, au Congo, ce n'est pas vraiment soutenu. Et lui quand même, il a pris ce courage de réaliser ces films. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est inacceptable qu'on viole, qu'on pille, qu'on incendie, qu'on tue les gens sans raison. Et c'est vraiment très absurde. Lui, quand même, il a pu porter la voix de la population. C'est une mode d'expression. Il a exprimé quand même ce qui se passe. Tout ce que nous pouvons dire, que les gens acceptent ce film et de le suivre. Non seulement le suivre, parce que l'objectif aussi, c'est sensibiliser les gens par rapport à ce qui se passe, aux crimes qui se commettent et que l'impunité cesse. Et aux autorités du pays qui ont encore la décision pour que la population de l'Est recouvre sa paix et sa quiétude.